est en enregistrement. Donc Lucas qui regarda cette VOD. J'ai récupéré des composants là. Des composants chimiques. Tu peux les voir, ils se situent ici. Ça, c'est ma santé mentale, donc ça va, j'ai un léger mal de tête. Il y a ma santé quand je me fais frapper. Voilà, j'ai quelques coupures et conduits. Ça, c'est le niveau d'huile pour la fiole, pour la lanterne. Ça, c'est des trucs pour allumer des bougies. Ça, c'est mon journal. Et en gros, on a des espèces de tissus organiques. Je vais te montrer. Je suis un peu comme Fanta qui explique à son enfant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Aboubacar est-il beau? Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Ouais, du coup il y Ah a bah plus Lucas, besoin je suis en train de de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer à ton futur toi qu'est-ce que je suis en train de faire. mettre. Ok, bah me spoil pas mon futur mort. Et donc je vais te montrer ce que je suis en train de faire. Ferme qu'un bouton les amis, pour le polo. Fermer les deux. C'est bizarre parce que du coup je parle à ton futur toi mais t'es quand même là en fait. Marty, tu dois pas être en contact tu les sais deux. Que tu vas quand même t'entendre, c'est-à-dire que tu vas parler à Lucas, il va s'entendre dans le Mais j'adore m'entendre parce que ça, je me fais toujours rire. Quand je m'entends. Je me fais toujours rire. Mais non mais en fait je pourrais juste parler, juste ma voix me fait rigoler. Genre là je vais m'entendre dire cette phrase, je vais rigoler. Tu vas être tout seul dans ton lit à 5h du matin exactement. Là, mais tu non, vas regarder l'heure. Bien sûr. Tu vas regarder l'heure au moment où on a dit ça et tu vas faire. Et du coup c'est ça que je dois détruire Lucas. De quoi? Bah je mais parle non, à ton mais futur toi. Futur toi. D'accord, ok. Là je vais encore rigoler. Je vais pas la merde futur toi. Et donc là je vais au laboratoire pour voir ce que je dois faire. J'ai pas besoin de ramener une veste imperméable, genre juste un sweat ça suffit non? Bah, pas, si je fais pas. De toute façon c'est en intérieur donc ça devrait aller. Oui, non mais pour le retour il va pas faire froid. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Okay, P-A-T-U-F, prêt à taper un foot. Bon, je vais bientôt y aller. Eh bah écoute, profite frérot. Sabi. Profite, c'est le mot. Ils sont même pas là, je vais partir sans que ça vous sans... enfin bref. Je dois créer un acide. Comment ça marche? 4 produits chimiques sont nécessaires pour continuer, très bien, j'en ai 1, 2, 3 et où? Tout 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 nanana. Ouais, je loupais un produit chimique. J'ai pas. Je vais manger. Ça fait clochard de ramener sa sacoche. J'ai pas envie de la ramener. Non, 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 ça fait pas clochard. Tu ramènes ta sacoche. J'aurais bien aimé juste. J'ai rien pour mettre des trucs. Bah, tu prends une banane au pire. Tu es plus habillé. Allez, ouais, c'est vrai, mais bon. La mienne, elle est. Comment dire? Si tu vois son état, gros. Ah, pas trop envie de la voir, quoi. Elle est grise, quoi, alors qu'elle est bleue à la base. Demande-toi pourquoi. Des lavages. De quoi? Au lavage, non? Non, ça s'appelle la poussière. Ah oui, quand même. Donc voilà. Bon, allez, moi je vais manger une bonne pizza. Tout à l'heure, j'y vais, j'attends tes vidéos, je reviens tout à l'heure. Vas-y. A plus. Je viendrai Discord pour envoyer des messages si vous le souhaitez. Parce qu'au bout d'un moment, je vais me faire chier, donc si je voulais que j'envoie des messages, ça y est. Tu te fais chier. Envoie des messages, t'enverras des messages. Moi, tu aimes plus YouTube. Moi aussi, j'y vais, je vais manger. Parle au futur Lucas. Très bien. On voit du coup, Lucas, il me montre un composant. Ta gueule, je fais la vidéo là. La vidéo là, bon allez vas-y. Ah mais je suis con, j'ai pas exploré cette partie. Attends. C'est l'huile ça? Ah bah oui, c'est bon en fait, attends. L'huile ça sert pour la lanterne. Je peux les écraser. Je peux pas utiliser. Regarde, ils sont tout mignons. Coucou, viens la lumière. Regarde, il a peur de moi, il se met dans un coin. Je bully. Je suis en train de le bully. Oh! Attention, je suis Sam Bécourt. Panier! Du coup, il manque un composant et je ne sais foutu pas où est-ce qu'il est. J'avais trouvé tous les composants dans la cave à vin, mais apparemment bah, j'ai tout trouvé quoi. Et on va refaire un tour.
si on était. En gros, pour l'instant, ce que j'ai compris à l'histoire. Oh, regarde, c'est la technologie de 2011, les cailloux sont en relief. Donc, d'après ce que j'ai compris. Ah, tu vois l'espèce de truc bizarre, l'espèce de flou bizarre que t'as sur la cape? C'est parce que c'est la santé mentale. Hein. Bon, là, j'ai un léger mal de tête, mais je perds de la santé mentale quand je vois des trucs bizarres, style un monstre ou des portes qui bougent tout seul. Ou quand je suis dans le nord. Ça, c'est parce qu'il y a eu des dégâts automatiques de merde là-bas. Pour faire PR. Ça, c'est quoi? Les Bolatols, c'est là d'où on vient. Cave à 20. Cave à 20, je suis presque sûr qu'il y a un monstre qui va arriver parce qu'il y a des autres trucs qui sont passés. La Casbah, c'est la Mecque. Hein. En russe, c'est la Mecque. Bah, en fait, il était près du mur de la Mecque et puis il a fait sa quête player. Donc, du coup. En plus, je crois que j'ai déjà vu les vidéos de gameplay. Et je suis presque sûr qu'à cette partie, il y a un foutu monstre qui arrive. Ah, du coup, je sais pas expliquer l'histoire. Attends, je vais refaire un petit père castor. J'essaie de trouver une lampe. Aïe, je me suis foutu la porte dans la gueule. Très bien, y a pas de lumière. Un petit peu de lumière. Là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, en gros, on s'appelle Daniel. Bon, oui, on s'appelle Daniel. On est à Canterbury, à London. Ou un truc comme ça. Il y a un espèce de délire, en fait on a bu une potion qui nous donne de l'amnésie, c'est pour ça que ça s'appelle l'amnésia. Et du coup on a lu une lettre qui a été écrite par Daniel, donc nous, qui parle à notre... Putain, il y a des bruits de pas. Qui parle à notre futur nous, pour nous dire j'ai bu un truc, t'as tout oublié parce que j'ai mes raisons de tout oublier. Mais il faut que tu butes un mec, c'est un malade, et je crois que ce mec, il engageait des gens. Enfin oui, voilà, il engageait des gens pour... Il a engagé des gardes qui avaient pour but de ramener des gens dans son château là, je crois. Et ensuite il faisait des trucs avec eux, mais on sait pas ce que c'est pour l'instant. Et du coup, ce mec, je ferme ma fenêtre parce que je suis en train de me dire que les gens dehors peuvent m'entendre et j'ai très honte. Et ce mec, il fait des trucs bizarres et en fait il a tué tous ses gardes qui avaient ramené des gens dans la cave à vin. C'est pour ça qu'il y a du sang partout. Il y a des restes humains, c'est dégueulasse. Et il faut que je trouve le dernier composant. Je crois que j'avais déjà ouvert ça. Oh, le bruit que ça fait. Je sais pas si t'entends bien. Je vais peut-être baisser un peu la musique quand même. Parce que je me dis. Ah bah, je peux pas. Ok. Voilà, donc il faut que je trouve le dernier composant. Et je suis un trou du cul. Il était là, j'avais déjà fait un tour là. Par contre. Je me coupe une couille s'il n'y a pas de monstre qui arrive. Au revoir couille droite s'il n'y a pas une monstre. Bon bah j'ai de la chatte mais en même temps pas des masses parce que je vais devoir me couper une couille. Les soldats français ont ouvert le feu sur les 10 jeunes hommes. Les 10 jeunes hommes qui se défendaient. Leurs vont être perdus dans un nuage de fumée et de pistolets. Là en fait il y a les trucs mais je les lis pas donc je sais pas quoi faire. Putain, 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 putain. Voilà, c'est ça. C'est quoi cette merde? On devient. Oh là là. Ah, putain. Oh la peur du siècle. Ah bah c'est ma couille droite. Ah putain. C'est pas une masterclass cette vidéo. Bah tu vois là t'es en train d'écrire un message sur sur Bitmoji Fan Club. Je vais le voir. Hein. Ah merde, je suis pas. Je vais me mettre à la lumière comme ça, je perds pas la boule. Qu'est-ce que tu as dit? Ça va pas sourire, nique sa mère. Là, il y a un truc, il y avait des flaques d'eau et je crois qu'à un moment dans le jeu, t'as des trucs bizarres qui arrivent. Du coup, attends, un petit peu d'armadou, hein. Quatre produits chimiques différents sont nécessaires. Ah ok, il s'est mis là-dedans. D'accord, il se met automatiquement.
Oh, c'est la merde! Y'a plus d'escalier pour remonter. Alors, les escaliers sont s'écroulés, trouvons un moyen de remonter l'espèce de tir. Ok. Attention, dernier composant. Les brûleurs doivent d'abord être allumés. Ah ok, c'est trop bizarre comment ça marche, mais faut vraiment faire un cercle avec ce truc. C'est pas genre tu vas dans un sens, c'est trop bizarre. C'est vraiment de la chiasse. Du coup, est-ce qu'il faudrait... Hop. 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 Hop, je perds la boule. Il faut un récipient en dessous. Ça, je me pisse dessus. Oh, il y a de la physique avec la lampe. Attends. Un récipient, c'est quoi ça? Ferme-la ta gueule, j'ai un... Des mélanges de toutes sortes. Ah! Voilà, d'accord. Il y avait une surbrillance légère. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh, par contre, du coup, ce qui est étrange, c'est que ferme là. Je sais pas si t'entends les bruits de pas, mais à chaque fois il y a un mec qui marche avec sa merde là. Du coup, comment on va faire pour revenir à l'endroit où on était? Alors, tu vois l'endroit où il y avait du sang là? Je suis sûr que ça va s'ouvrir, il y a un foutu monstre. Loop. C'est donc ça la fameuse recette du foutre humide. J'ai le foutre humide en ma possession. Je peux pas faire du parcours. Je suis sûr qu'il y a moyen. Mais la tête de mer, je suis sûr qu'il y a moyen. En fait, la beauté du geste. La beauté du geste, c'est de faire ça. Non, arrête. La beauté du geste, c'est ça. C'est le parcours. Que les puzzles de Portal furent inventés. Ah! Allez. Zep! Ah, mais si. Arrête!
Oh! Ça se trouve, c'est absolument pas ça qu'il fallait faire et je viens de baiser le jeu. Mais je pense pas. Oh, DSS! Putain, la foutue belle époque. Quelle heure est-il? 20h. 11. Arrête! Arrête! Putain, mais on dirait des spaghettis, mais chier. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a du sang ici. Allez, on se ressource. Alors, il y a des bruits d'oiseaux, mais on les voit pas. On se ressource. Un léger mal de tête. Quelques coupures et contusions. Je suis presque sûr qu'il n'y a pas de moyen de heal dans le jeu, c'est vraiment. Oh! Oh, bah je viens de gagner un trophée ici, mais tu le vois pas. Alchimiste. Je sais même pas à quelle heure j'ai commencé l'enregistrement. Ce serait bien qu'il fasse genre 30 minutes, mais pas plus, tu vois. C'est dommage qu'on ait loupé le début, ça fait chier. Dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness? That is. Stay close. Be careful not to stray. Ah, ça c'est des flashbacks parce que t'es amnésique. Why is it so dark? Et tu parlais au boss que tu veux tuer maintenant. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Je reste prudent lorsqu'ils venaient sont proches en vous baissant dans le noir, vous serez plus difficilement repérable. Oh bordel! Putain, j'ai peur sa mère! Ferme-la. C'est rien. Oh bah j'ai un léger mal de tête, putain je viens de voir un truc qui ressemble à un sac de patates à monsieur sur patte et j'ai quand même un léger mal de tête. Par contre je vois de la chiasse violette, je me pisse dessus. Je vais voir d'où il vient. Ah de l'huile, c'est important. Cette huile est importante. Il avait faim le bug. C'est bien. Ok, très bien. Ça va être un échappatoire pour le monstre 100%. J'explore un peu la zone. Hein. Je quadrille la zone. La nozo est quadrillée. 22 juin 1839. It's been more than a month. Since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted. Bon, alors ça j'ai pas trop compris. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. Alors il y a un truc qui est très étrange que j'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? OK. Ok, bon, je vais me faire péter le cul par un monstre, ça c'est écrit sur le mur. Alors en gros, il y a une histoire avec l'Algérie, mais j'ai pas compris, genre ils vont dans des tombeaux, l'Algérie, dans le Sahara quoi. Ils vont dans des tombeaux et ils font des trucs et j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc voilà quoi. Déjà passé par là. Bah, c'est parce qu'on est c'est bientôt le 15 juin et qu'il y a la fête des règles. Oh putain, je me suis pissé dessus. J'emmène deux comme ça, j'abuse pas sur la lampe. Parce que j'abuse trop de la lampe. Avant j'économisais de ouf, maintenant j'abuse trop. Ah mais du coup je vais aller de l'autre côté là. J'ai un peu peur, fuck it, hein. C'est bon, il y a de la lumière. Il y a un avion qui passe, ça.
Ça, c'est pour récupérer de l'huile. Lanterne remplie avec quelques gouttes d'huile. Moi, j'ai bien fait de ne pas la remplir. Il n'y a plus d'huile dans le baril. La trappe est trop lourde pour être soulevée à la main. Et ça, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Hein. Ça, ça va nous servir. Ah putain, j'ai des yeux de lynx! Parcours! Alors, je ne sais pas quoi faire. Réflexion. Est-ce que j'enlève ces tonneaux pour fuir plus vite à un monstre? Ou je les mets parce qu'ils risquent de rentrer? Je pense qu'il faut les enlever. Attention. Mister SB. Pour pas prononcer le nom, même si j'ai prononcé la vision, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est d'Archimède. Quelque chose obstrue la manivelle de l'engin. Va vite. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il obstrue? Putain, mais il y a des foutus. Tu sais que du con, si tu t'accroches à la corde, ça va forcément sauver le truc. Ah bah oui. Très bien, très bien. Y'a un qui. Putain, mais fallait branler sa souris. Ça prend, j'aimerais bien voir apercevoir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, on peut. Je tourne. Ah ah, je suis Bob. Ah, appelle sur Discord, what the fuck. Je viendrai plus tard. En attendant, je me mets dans l'AFK. Et oui, car je prends soin de mes amis qui regardent mes vidéos. C'est des niggers, c'est pas possible. On va faire, on les ignore. N'existe pas, n'existe pas, n'existe pas. Chut, ferme-la, ferme-la. Chut, il faut nous entendre. C'est bon, ils ont fait. Oh là, Neger. Oh, il y a deux mecs sans importance. Hein. J'espère que ça a pas fait bugger la vidéo, hein. Est-ce qu'on va retrouver notre pote sac de viande? Archive du sous-sol. Y'a pas marqué le temps de vidéo que j'ai mis? Ah si, 24 minutes. Bon, on s'arrête à 40 minutes, je pense. 40 minutes, 1 heure, je suis un mec sympa. Hein. Putain, ça. Oh hein? Oh non, non, je connais ce passage. Tu vois là, on ne le voit pas, mais en fait, c'est les limitations du jeu. Mais en gros, il y a une bête terrifiante qui te one-shot. Casse-toi là, casse-toi, va là-bas. C'est bon, tu t'es barré? Je crois aller loin, mais je l'entends là. Putain, sa mère. Mais nique ta mère, toi. C'est quoi là, j'en sais rien. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous.
pourquoi je vais garder ce lieu. Parce que il y a un moment il va nous s'arrêter. Putain, mais si ce pute il se met juste en dessous. Il y avait pas une entrée là. Ah, je suis complètement malade. J'ai cru qu'il y avait une porte dans un mur. Foutez de ma gueule ou quoi? Attends, je vais voir si ça marche. Exa. Père. Comment je fais? Ah, je crois avoir compris. Tu vois, regarde, on reprend le truc du livre. On est là, on l'envoie là-bas. Et là. Saute, saute, saute! Putain! Fils de pute, va! Oh putain! Je crois que. Alors, il y a un putain de crocodile sous-marin de mes couilles là qui essaie de nous bouffer la bite. Lui, j'ai mal de tête. C'est quoi ça? Ah, c'est pour la vie. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-bas? Je vois pas. Bah, il est censé avoir des trucs intéressants. Du coup. Voilà, je le fais. J'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas. Je pense qu'il n'y a rien. Ah! Ah! Ah merde, il faut un objet. Putain, c'est dur, les contrôles, elles sont chiants. Genre, t'es un putain de camion bête. Va là-bas, sac à merde. Voilà, moi j'arrive. D'accord, alors là, vraiment je me suis pissé dessus, tellement j'ai eu peur, j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. Parce qu'en fait, en gros, je peux pas sauter là-dessus. Par contre, du coup, je ne sais pas quoi faire. Ouais, parcours. Par contre, la porte lourde. Quoi faire hein. Ah mais il est là. Salut petit pote. Saute la putain de ta mère mais. Il va me faire faire une crise cardiaque ce bâtard. Bon, je sais toujours pas quoi faire. T'es en train de me dire voilà mais t'es con, c'est trop simple. Ah bon, tu vois rien toi sur le truc. Ouais si tu vois suffisamment. Y'a pas un truc à faire genre. Un peu de parcours là, tu t'accroches au truc. Je suis un dingo dans ma tête, moi.
En fait j'aimerais bien... Putain il est loin. En fait j'aurais aimé... J'aurais aimé genre qu'il fonce sur la porte, genre ça la casse. Mais je suis pas sûr que ça marche. Tu sais quoi, fuck les énigmes. On va aller sur internet et on va chercher. Je suis vraiment sac à merde. Amnesia, Dark Descent. Porte lourde. Porte livurde, je me suis trompé. Bloqué dans l'eau avec la merde. Fouille dans les autres pièces sur les côtés, je crois qu'il y a un levier. Y'a un mec qui l'a dit, c'est dans la vie au tout début, sauf que c'est pas celle-ci, c'est une autre. Oh le gamin il a baissé. Non, c'est juste que je... Hop, 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 hop. Oh le sprinter du débile. J'en ai rien à foutre. Le sprinter de la folie. Ah bah on attend, je vérifie s'il y a des objets dans cette salle. Oh il y a la Holy Bible. Hop, feinte. Oh, je suis un foutu sprinter, la tête de mer, je suis trop fort. Oh là 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 là, mais le joueur français, mais on a jamais vu ça. Cours, cours, mais sac à merde. Oh putain. Ah, de l'huile. Combien d'huile? 4, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis. Alors du coup, ok. Pas d'objets aux alentours que je pourrais chercher vu que je suis... Tu vois ce qu'on va faire? Je crois qu'il me prend du temps à avaler. Donc on va se mettre là et faire. Allez champion! Et là! Oh les fils de pute! Je crois qu'il va falloir tourner un truc. Je vais tellement rater. J'ai mis du temps à bouffer. Ah, j'ai trop peur. Ah putain, oh, je vole. Oh ça va, ça se bloque. The Bee, cours, cours, cours. Simple serrure. Non, 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 va falloir. Crise cardiaque, mais... Oh oh, j'ai même pas eu le temps de lire. Putain, cette espèce de pite qui est sortie du sol là. Alors par contre, si vous me refaites le coup de cette merde, je pète un câble.
il est strictement hors de question que vous m'en faites. Arrête, c'est quoi? Ça recommence, cours, sac à merde. Cours. Je l'entends, il est derrière moi. Je suis un trou du cul, j'aurais jamais dû aller là-bas. Oh sa mère, je l'entends juste derrière moi. Oh le lock. Le casque audio 7.1 n'a pas aidé ma santé mentale sur ce coup-là. L'entendre souffler dans ton cou là. Bon, je crois qu'il y avait d'autres passages, hein, c'est bizarre. Hein. Ah, je connais cet endroit. Putain, mais en fait. Oui, Negro, j'avais compris. Pardon. En fait, je crois que j'ai vu des extraits de PewDiePie quand, bah, quand il avait un peu de popularité. Parce que là, bon, ouais. C'est fini pour PewDiePie, quoi. À partir du moment où tu te fais dépasser par des Indiens, le pays le plus sale du monde, ils mangeraient leur merde, que ça m'étonnerait pas. Ah, mais du coup, on est arrivé dans un nouveau hub. Chambre d'invité. Étude. Alors, non, attends, c'est beaucoup trop. Il nous parle du SS Hortensia, un bateau. Ensuite, t'as des aigles. T'as ça là, ça c'est l'ancien empire germanique, ça. Alors, par contre, ça. Oh, attends, il y a des trucs à prendre. Je sais quoi ça. Je me nourris de la sainte eau pure. En tout cas, une petite musique, mais bien. Ça. On ira voir après. Oh, je sais pas combien de temps il dure le jeu là. Ça doit faire combien de temps que je joue? Très bien. Ils m'ont mis le menu Steam, mais with manette. Ça ne marche pas, toujours, dit ta mère, parce que j'ai ma manette branchée, donc ils me le mettent automatiquement. Il faudra que je trouve un moyen de désactiver cette chiasse. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Mais les ascenseurs, c'était pas nouveau. Genre, ils faisaient comment les mineurs avant, du coup? Bon, on va rien dire. Petite musique sympa, hein. Ça fermait la clé. Trouver la clé qui ouvre la porte menant à la salle des machines. Ça, ils vont nous dire, oh, sorry baby, mais tu peux pas. Voilà, c'était sûr. Ils nous disent quoi? Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Ok, donc tu vas devoir aller dans la salle des machines avant. Voilà, je pose. Par contre, étude et à mes couilles là. Par contre, c'est toujours pas fait attaquer par le monstre ultra connu de Amnesia avec la bouche là, l'espèce de mâchoire décrochée là. Donc j'ai quand même un peu peur quand même. Je vais où en premier? Tu votes dans les commentaires et on fait ça dans la prochaine vidéo. Non, je rigole. En fait, je suis un clown. Comment ça s'appelle ça? Stockage. On va aller dans Stockage. Est-ce que c'est encore un rêve? Je trouve que je suis un bon animateur, je devrais faire du stream, je pense. Ça me semble être une... bonne contrepartie au fait que ma vie est un misérable échec. J'ai rien dit. Semble étrange et anormal. Oui, bien joué mon bug.
La tête de Mercia, pas un monstre. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Par contre, du coup, ça va niquer mon huile. Et poup. Ah. Est-ce qu'il y a vraiment un truc ou c'est moi qui deviens fou? Ah putain, ta mère la chouin. Putain, j'en parlais là, la mâchoire décrochée. Ah, arrête, non! On s'en branle, voilà, léger mal à la tête est suffisant. Ah merde, l'équilibre mental c'est genre un super pouvoir pour les monstres. C'est comme dans le... En fait là j'ai envie d'arrêter de jouer parce que je me pisse dessus. Mais c'est complètement con, c'est le but d'un jeu d'horreur. Par contre, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu dehors qui me fait peur. Là, on va rush ici. En attendant que le monstre est de l'autre côté. Ça, c'est des endroits pour se cacher. Putain! J'ai l'œil, hein. Ça va, j'en ai plus 4. What was that? Elle l'avait dû. Oh, une petite perceuse de charpentier. Voilà que je remonte, il est là. En plus, ce bâtard il est dans la salle où je veux aller. Arrête, j'ai pas que ça. Très bien, ça viole des gens. L'idée combien j'ai trouvé un moyen de passer. Est-ce qu'il faudrait pas casser la démarche? Bah non, on peut pas casser la porte à l'aide de la perceuse. Casser la démarche ne marche pas. Bon, ça m'aide pas. Alors, et la perceuse sur les... Je peux vraiment pas utiliser ça? Vous ne pouvez pas utiliser le de cette façon! Et là-dedans, là. Non. Casse la démarche comme ça. Ça me petit. Kipembe, 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 kipembe. Sébastien. Bavard. C'est pas Sébastien, c'est bon. Oh, you're not funny, you know, bro. That. Là, on s'emmerde par contre. Hein. Ah, il y a une porte. Attention, monstre, pas monstre. Ouais. Alexandre le Grand. J'ai préparé les explosifs dont tu avais besoin pour dégager l'évacuation de l'eau de pluie. Je ne peux. Pardon? Des explosifs pour de l'eau de pluie. Je ne peux pas plus insister sur le fait qu'il est très important que le mélange soit manipulé avec soin. Essayez d'en avertir vos serviteurs, Ercervelé, avant de continuer vos plans. Les liquides ne sont pas explosifs dans un foie, ils devraient être maintenus séparés pour éviter d'autres ingrédients. J'ai arrangé deux grandes cuves dans la salle d'à côté pour les ingrédients. Tout ce que tu as à faire est de mixer les liquides pour pouvoir commencer. Agrippa! Donc il y a des explosifs. Apparemment. Attends, on va relire la...
C'est M, non c'est pas M, c'est J. Note. Ok, donc il y a des Q en fait. Je lis mais sans trop faire gaffe. Donc il y a des Q. Voilà qu'il n'y a pas un monstre. Oh, bip ou bip. Le jackpot, bingo. Kipembe, kipembe, kipembe. Je crois que j'ai essayé de vivre un peu plus dans le nord plutôt que de full utiliser cette chasse. Lava verrouillée. Et je fais comment quand la lave elle est rouillée? Je pisse dessus, c'est comme les piqûres de méduse. Est-ce que je dois percer le truc? Ah! C'est Gundarius. Est-ce qu'il y a Primarius? Oh, je suis trop... Ah non, Primarius. Mais du coup... Oh, mais je suis un dieu par contre. Oui, je suis de moins de lumière. Oh, petit trou. Bon, doit falloir faire gaffe hein, parce que là j'ai littéralement une TNT dans la main. Voilà qu'il y a un monstre qui va arriver. J'en conjure. De mâchoire décrochée, je sais qu'à un moment il va nous attaquer. Alors, ah, c'est la porte ou ça qu'il faut exploser? Je pense que c'est la porte, hein. Porte. Ah non. Peut-être là, hein. Je le déclenche. Ça marche avec magie, genre je fais quoi? Comment je fais? Je lance quelque chose. Ah putain! C'est plus que volatile ça, what the fuck? Comment j'ai fait pour pas que ça explose dans ma poche? Oh, oh là qu'il y a un monstre. C'est trop grand et trop propre pour pas qu'il y ait de monstre. Il y a Madou. Une boîte des Madou. Oh putain, mais je suis trop fort, mais je devrais jouer à des roguelikes avant que je devrais me sucer la bite. Putain, dégage. Putain, la force surhumaine que j'ai, je suis Popeye. 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 Salut, salut, c'est Vor... Patès Machina. Par contre, on est à Londres en 1800, depuis quand tu utilises encore le latin? Genre, c'est fini quoi. C'est au Moyen-Âge qu'on utilise le latin. Ça, c'est pour maintenant. Parce que j'ai des grosses couilles moi, pas comme vous là, bande de lopèdes. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas.
bien se passer. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, bien se passer. Alors les bons cochons là. Non, je peux vraiment. Oh oui. Ah, par contre, il me déplace. Oh le couteau. Oh, il y en a plusieurs. Ah non. Oh, le détail. T'as vu ça? Coup de chasse. Coup de chasse, coup de chasse. Tu fais ce gars, coup de couteau. Un peu de lumière pour mes petites mirettes. Hein. Ah, putain! Fils gare, coup de couteau, fils de pute. Écarte-toi! Retourne dans ta zone. De la médu. Y'a la petite main qui dépasse. Vas-y, viens, fils de pute. J'attends. Et j'espère qu'il court pas, ce bâtard. C'est bon, tu t'éloignes. C'est quoi ce vieux bruit? Laisse-moi tranquille. Il court plus vite que moi. On m'appelle sur Discord. Je vais crever. Au revoir les amis, c'était une bonne journée. Vas-y, vas-y. Viens fils de pute. Viens fils de pute. T'es mort. Je compte que je vais survivre. Vous devez continuer. Bon bah on va pas ouvrir cette salle hein. J'espère qu'il n'y a pas un objet de chiasse à l'intérieur de cette salle. Donc cette porte, nique ta mère hein. Par contre, j'ai pas pris la madu. Oh putain, il l'a. Ça me fait bander, pardon. Il est où la madu? Ça l'a craché du sang là. Du coup, l'autre connard de monstre, il est dans la salle. Attends, attends, on va s'amuser un peu. J'espère qu'on perd pas du stuff hein. Pas l'impression. J'ai envie de savoir s'il y a un truc important dans cette salle. Donc on va juste courir dedans tel un gros singe. Et on va se faire buter juste après. Comme ça on regarde s'il y a quelque chose d'important. Et comme ça attention. Top à la vachette. Ah d'accord. Bah écoute. Et de l'amadou gratuit hein. Deux amadou. Putain, j'ai chopé en plein vol. Ça veut dire qu'il est autre part ce fils de... Mais attends, mais c'est trop bien si ça peut... Si le jeu il est comme ça, genre si tu te fais buter une fois, le monstre change de spawn. Oh, putain, mais je... Jeu de merde. Aïe! Vraiment! Mais dis que ta mère! Ça, c'est pas très utile. Des rouleaux de PQ. S'il n'y a pas un ensemble de 3 tiges disponibles, il en reste un dans la salle d'études intérieure. Et les études, c'était en haut, qui pouvait fonctionner au cas où l'ascenseur tomberait à nouveau en panne. Sauf en cas d'extrême nécessité. Utilisez toujours les tiges disponibles dans la salle de stockage avant d'en utiliser une qui a été réparée. Alors tu vois ça? Non. La tête de ma bite qui est un monstre. Tête de moi qui est un monstre.
Mais c'est moi qui me fais peur tout seul en fait. Est-ce qu'il y a la... Oh là 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 là, regardez, les chaînes sont dures comme de l'acier, c'est à cause de la rouille ça, j'en connais. Elles se sont soudées entre elles en fait. Regarde. Elles se sont soudées entre elles. C'est honteux parce qu'en 2006, on savait déjà le faire ça. Oui monsieur. Il suffit de regarder l'intro de Morrowind. Non, de Oblivion. Et oui monsieur, je suis un véritable gamer. J'avais 4 ans quand c'est sorti. Nique ta mère. Tout simplement, nique ta mère. Il vient en plus. Ou il abandonne. Abandonne. Oh, il se met à courir, mais je le hais ce connard. Olive et Tom. Tom, Olivier. Ils sont toujours entraînés. Non, c'est Olive et Tom. Ils sont là pour gagner, Tom, Olivier. Ils sont bien entraînés. Captain Tsubasa en japonais. Bah là on attend. Hein. À moins qu'on... Ouais, parce que j'allais dire au moins qu'on tape un sprint, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que l'autre con là, il est au bout de la salle en train de se cuire les couilles ou je peux continuer? Tu sais quoi, on va marcher comme ça. C'est au bout de la salle, c'est ça? C'est chiant, mais y a pas de sauvegarde rapide, ça casse les couilles ça. Ah bah non mais oui, non mais oui, mais si mon équilibre mental est nul à chier, heureusement qu'il est pas étonnant qu'il me repère à 500 mètres. Mais il disparaît le monstre ou c'est comment? Comment c'est sombre. Je me pisse dessus. Nos yeux de chat en fait. Sauf que si le truc apparaît juste en face de moi là, j'arrête le jeu sur place. Par contre j'ai chaud, j'ouvre ma porte. Très bien. J'étais allé faire un truc. J'avais quoi à quoi. Putain mais ta grosse chienne. Chiette de mer. Regarde, je vois flou. Ils savent même pas quoi dire. Regarde mon crâne, il s'allonge, il est tout fatigué. Mon cerveau plutôt que mon crâne. C'est une expérience traumatisante que je suis en train de vivre. Dis-moi pas que la porte est ouverte, voilà. Ah ! Cours, cours, fils de pute, cours, fils de pute, cours, cours, fils de pute. Tu fais du rap. Ah, je suis trop con. Il est encore là. Cours fils de pute, cours, cours fils de pute. Oh putain mais je tremble, je tremble. On va se cacher entre les cochons. Arrête. Putain je suis bourré. Santé mentale. Je perds la boule. Et à une heure j'arrête cette vidéo, j'arrête ce jeu. Je suis à 59 minutes, je suis à une heure en fait. Je sors de cette salle, mais j'ai envie de continuer en même temps, mais que faire, que faire? Une heure c'est pas assez, je pense que je vais mettre 10 000 ans à l'upload cette vidéo de chiasse. Vraiment à 5h du mat j'y suis encore. Une... c'est réel ce qui est en train de se passer là? Je viens littéralement de faire un arrêt cardiaque parce que j'ai trop peur. Coupe-toi de la lumière. Putain, t'imagines ça m'arrive en combat là. Oh, ça bille pas. Il s'éclate par terre là.
J'espère la vidéo est pas littéralement buggée. Parce que j'aurai le seum, une heure de vidéo pour qu'au final ça arrête. J'étais en train d'y penser. Il suffit d'y penser. N'oubliez pas, Bruce Benhamran, il suffit d'y penser. Je vais marcher doucement, comme ça j'aurai du sprint. Ce fils de pute de monstre TP en fait. Ah mais attends, mais je crois que j'ai hâte de comprendre la mécanique du jeu. Elle est trop bien, enfin beaucoup trop simple. La mécanique de jeu est incroyable. En gros, bah t'échappes au monstre une fois, bah c'est bon. Et il disparaît. C'est parfait, mais vraiment. Bon putain, ça fait peur. Ah très bien, je t'attends de faire un truc. Excusez-moi, hein, la vidéo avant tout. Hein. La passion du gaming avant tout. Don't forget your bag, Daniel. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Ah, Daniel, il est con, et c'était son mentor, ils étaient amis avant. Putain, la fratrie avant tout. Est-ce que je peux rentrer dans la chambre d'invité? Oui, bah on va en sortir parce que je faut aller dans les études. En fait, voilà. En fait, c'est logique. J'ai une couille sur mon écran, c'est bon. Bon, au pire, on fait ça d'abord. J'ai envie de finir le jeu maintenant, mais je sais pas combien de temps il dure. Faudrait que j'aille voir sur les critiques Steam, voir combien de temps il dure. Parce que je crois que je suis à plus d'une heure 30, 1h40 de jeu. Je suis à 1h de stream, 1h d'enregistrement, mais bah j'ai commencé le jeu avant. Hein. Ah, donc ils ont fouillé ma salle. Force surhumaine! De la vie. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian office disclosing Attends, the fate Abdullah. Of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of Abdullah. The men traveling with us, returned to Abdullah, un homme qui venait jeter au revenu du désert, était gravement blessé comme s'il avait été meurtri par un lion. L'homme divaguait sur l'expédition et s'est fait attaquer par quelqu'un, par quelque chose de Les French ont immédiatement procédé à l'envoi d'une équipe de recherche pour retrouver l'expédition. Après des jours de recherche, ils ont finalement trouvé le camp abandonné sur le pied d'Herbert ou de ses hommes de main. J'ai récupéré les affaires qui lui sont ramenées de la tente d'Herbert au bureau de Douane. Je ne sais vraiment pas quoi en faire, mais je suis très inquiet pour lui. En tout cas, c'était la belle époque, hein, la belle époque de la colonisation française sur l'Algérie. Hein. Une grande perte. Eh hey, fils de pute, prends ça dans ta gueule. Tu penses que c'est un jeu de réflexe, s'il y a un truc? C'est vraiment ça qui le bloque là. Ouais. Oh! Attention, je casse tout! Je vais casser ta fée! Il a haleté lourdement en essayant de sombrer de chez. Putain, qu'est-ce que je ferais pas pour faire une vidéo de merde que personne va regarder à part un prénommé Mister LB. Parce qu'en plus, genre vraiment, je suis trop con. J'ai commencé le jeu. Ah, j'ai pas commencé le jeu en fait. J'ai commencé le jeu, mais en dehors de la vidéo. Qui est le con qui fait ça? En vrai, vous avez rien loupé, mais bon, vous avez rien loupé. Tu n'as rien loupé, hein, parce que encore une fois, je vais avoir deux vies, moi et toi. Je pense pas qu'il y ait de monstre là. Ça me paraît trop clair pour qu'il y ait un monstre.
Ah, je prends un livre pour cultiver, hein. Mettre au bac de français, faut se cultiver. La Holy Bible. Mets-toi la lumière. Oh là, mais j'entends des voix, mais stop. Oh! Lettre sur la découverte d'une orbe. Peut-être c'est un pays, je sais pas. À mon avis, un ami de confiance, Johann Mayweyer, la chose la plus incroyable, s'est produite cet été alors que je voyageais dans les bois prussiens. J'ai finalement trouvé un de ces orbes, voilà, que je cherchais depuis ces 20 dernières années. Tout aussi inexplicable comme le décrivait Héliodromus. Dans le Hortus Conclusus, c'est exactement comme on l'avait raconté, un temple souterrain mitriaque couronné d'une étrange couronne. L'orbe était assez grand pour remplir mes mains en coupe et la texture était à la fois lisse et déchiquetée. Ses couleurs fades étaient riches, mais riches, le contraste n'était pas assez clair pour décrire sa nature. Je vous laisse lire, j'ai la flemme. T'es bel et bien réel, vous entendrez. Alors, je sais pas, en attendant que vous lisez, hein, si vous l'avez... je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si c'était en enregistrement, mais à un moment je suis devenu complètement taré et j'ai chopé une boule. Et du coup, bah ça ressemble à une orbe quoi. Je sais pas si c'était en enregistrement. Et ouais, c'était comme dans la. Il parlait de la chambre souterraine quand il était en Algérie. Alors, si vous comprenez rien, moi non plus je comprends rien. Donc c'est pas parce que vous allez louper des trucs, moi non plus je comprends rien. Il a senti un truc le suivre. Soudainement, pensant que j'allais être épargné, soudainement une lumière bleue scintillait, m'a englouti et les. Et les couleurs de la forêt, ils ont alors disparu devant mes yeux. J'ai continué de courir à travers les mornes environs qui m'entouraient. Les arbres avaient tourné couleur d'or charbon avec leurs feuilles de sang. Terre submergée, sans envoyante, je peux entendre des cris. C'est emparé de moi. La douleur et la peur s'est emparée de moi. Ça va pas sembler étrange, mais j'avais été transporté à des kilomètres de loin à travers les Alpes. Mais ils sont où là? Ils sont en Angleterre ou en Allemagne? Pourquoi ils me parlent des Alpes? Même l'Allemagne, c'est pas à côté des Alpes. Il y a des fous. Il s'appelle Bergenring. C'est en Italie, genre les Alpes. Mais on a l'impression qu'on est en Allemagne. Puis ils nous disent qu'on est à Londres. Mais en fait, ils nous parlent des Alpes. Je crois que c'est Heinrich qu'il faut buter. De la Madu. J'ai peur, wesh. Ouais, je suis à 2 cm de la lumière. J'ai bien le bruit, je sais pas si vous entendez. C'est un coffre qui rigole en fait. C'est un mimique. Comme dans Dark Souls. Mais lui, il te mange pas parce que c'est un mimique gentil en fait. Vous pouvez passer de l'autre côté? C'est simplement des mêmes chiffres. Ça, on est déjà allé. Bon, je commence à avoir des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas de monstre. J'ai affirmé ça en m'en battant les couilles, mais je commence à avoir de sacrés doutes. Je vais laisser la porte ouverte, ce sera plus simple. Oh putain, du texte. Après, une autre canis le plus familiale, vous feriez. Mais... 12 avril plutôt que février. Après une brève étude, il est clair que l'agitation trouvée chez les humains est similaire à celle des chiens à la crête et à la douleur à 10 ans au 13. Ouais, ils font des expériences. Je crois ils font des expériences sur la peur. Ouais, voilà, c'est sur la peur. Salut, ces chiens. Ça fait des bruits de flaque. Ah d'accord, bah là ça marque pas la colonne vertébrale. Salut ces chiens. Sébastien Twinis. Moi je suis terrifié par ces trucs qui vont se déplacer. Ils vont se déplacer. La Madu. Ah,
Stop! 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 What the fuck? Putain, il a changé! Non, c'est trop! Ce jeu, il est épuisant. Ah, il a besoin d'énergie, de quelque chose. Et les chiens, ça en fait, mais les humains en fait énormément. Sauf que bah, c'est chiant à capturer des... Je crois que là, ça va être une partie pas monstre, mais... Je vais me retourner, il va voir un truc. Voilà. Trouve un autre chemin autour des décombres de l'étude. Le verrou est cassé, trouve un moyen d'ouvrir la porte du placard dans la chambre des invités. Trouve un moyen de mettre en marche le moteur. Attention, c'est parti pour la fête du spectacle, les poupées vaudou. Que les poupées vous, les poupées vous et tout. Non, c'est bon. Je l'ai mangé l'auto. Tu vas reprendre ton auto. J'ai mangé l'auto. Parcours. Putain, mais c'est. Non, mais c'est pas possible. Alors, par contre, c'est littéralement impossible d'avoir une maison aussi balèze que ça. C'est. Quel yeti, mais c'est. Ah, on était là. J'ai cru que j'allais passer mes yeux et faire coucou. C'était... Ah, mais je vous ai pas vu ça. Dans la salle où il y avait. Comment dire? Le truc où je faisais l'alchimie pour créer l'acide là, et bah je vous ai pas montré mais je l'ai vu, et bah il y avait cette merde et ça me faisait un écran blanc et ça me faisait un texte. Un peu parce que mon cœur bat à 1000 à l'heure là. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. Je suis un magicien. Wouh. Décélérateur d'urgence. C'est quoi c'est. Je fais. Oh attends, déjà on lit ça parce qu'il y a un. Si la sœur tombe à nouveau en panne sur vous, d'utiliser la machine à vapeur qui accumule la pression autant avant de la canaliser dans la machine. Donc j'utilise la machine à vapeur, utilisez des leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devraient indiquer haut 8 et bas 8. Assurez-vous que le flux est paramétré en fonction du tableau suivant. Fonction, alors ça c'est un travail pour des ingénieurs. Donc moi en fait, parce que je suis un véritable ingénieur. Fonction de l'ensemble, je fais des études d'ingénierie. Des instituts d'ingénierie en faisant des petits robots. Et en calculant des robots. Ouais, voilà, exactement. Fonction de l'ensemble de vapeur ternaire. Pardon. Amplitude tétraphasée. Et cycle complet d'écoulement. Notez que les machines ne vérifieront pas l'exactitude de la configuration tant que les tiges n'auront pas été insérées. Tant que toutes les tiges n'ont pas été. Est-ce qu'ils vont nous donner ça? Parfait. J'ai ouvert ça. J'observe. Une bite? Ah non. S'il n'y a pas un monstre, c'est que. Ah, le cycle d'écoulement. Attends, est-ce que du coup ça a débloqué la zone? Genre en mode. Non, tu peux pas t'en aller sans. Non, c'est pas Call of Duty.
Blablab. Allez, c'est bon, il y a Bulldozer Man qui fait son taf. Mais j'ai pas peur en fait, là vraiment ça fait pas peur. Là, il y a que l'autre con qui a peur. Oh là là, le parcours! J'aimerais tellement aller là-bas. Est-ce que du coup il y a des événements paranormaux? Il suffit de parler dans cet appareil. Je peux vous entendre, je suis là en paix. Je m'appelle GusDX. Oh mon dieu, une caisse à outils vient de tomber. Cet événement paranormal pourrait bien changer ma vie. J'ai passé les trois Attends, qu'est-ce qu'il dit déjà? Je me suis allié dans cette maison et j'ai été en stase. Je suis resté 3 heures en ayant tout oublié. L'enregistrement parle de lui-même. Sinon, on peut faire un Mister JD. Hein. Ah non, je dis que c'est plus drôle. Moi, je pisse dessus. Ah, parce qu'il y a Mrs. Chia, c'est caché partout. En mode 2, c'est devenu du sang. Faut que j'aille voir ça. Ça, c'était là où on est entré. Hein. Ah, par contre, ça fait des dégâts, ça. Nique ta mère. How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Vous l'avez tué. Il te l'a pas donné. Du coup, est-ce qu'on va dans la salle, pas la salle d'études, mais... Celle des machines est toujours verrouillée, hein. C'est fermé à clef. The motherfucking sale of the machine. Du coup, la seule truc qui reste, c'est le truc des invités. Et du coup, il disait quoi? Ah, ok. On trouve un autre moyen d'ouvrir la porte dans la chambre des invités qui fait 2 mètres carrés. Et ensuite, on pourra. Nous sommes à 1h17 d'enregistrement. 18. Félicitations. Sir William Smith avait été marqué, il ne pourrait désormais en aucun savoir que le jeune homme de l'autre jour portait cette ombre terrible. Ah, les mobs se mouvent de même. Ils ont une volonté propre. Putain, nique ta mère, toi. Arrête de faire des sales bruits là. Nique ta mère, je te la mets dedans. Putain, casse-toi. Casse-toi. Du coup. Observons cette salle. Attention, screamer. Non, screamer. Ils ont beaucoup de fois le même habit. Juste des petites chemises comme ça, là, c'est assez pauvre. Ah, on a une crowbar. Aujourd'hui, j'ai récupéré les affaires d'Herbert au bureau de douane. J'ai creusé parmi toutes les précieux documents qu'ils avaient ramenés avec lui. Je suis tombé sur un fichier détaillé d'expédition. The day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread his account. Confuses me greatly. Pied de pinche. Putain, mais espèce de serpent à sonnette là, mais ta mère toi. Oh, 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 je suis un basketteur. Oh. Regarde. Oh, basketteur 13. Hop, basketteur 13. Basketteur 13. Basketteur 13. The key. Please let it be here. C'est bon. Une clé F importante est cachée dans la chambre des invités. Ça va être la clé, j'espère. C'était quoi les trucs que j'ai?
Ok, bah ça doit être la clé. Ouvre! Ouvre sa caméra. Il est en train de casser la porte. Là j'ai peur. On a combien en santé mentale? Ça va, on a une grossière. Regardez combien de temps ça a duré Amnésia, 8 heures. Seul fils de pute! C'est chiant là, on s'emmerde! Je fais quoi là? C'est passé quoi là? Il est passé par la fenêtre? July 4th, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic lay spread across the table as I left them. But somehow, I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined the ancient stone relic now rests on my table. It's a... Est-ce qu'il est encore là? Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Oh. T'as pas eu peur toi, hein? Y'a un espèce de truc gigantesque qui vient. Le patio! Du coup, salle des machines. Vraiment, si la salle des machines c'est un labyrinthe alors que c'est juste un truc, une salle des machines, je pète un câble. C'est bon, il a encore la madrina a encore chié par terre. S'ils me sortent, la porte est immuable. C'est impossible. C'est bon. Putain, c'est bon, mais je voulais la clé. C'est un labyrinthe. Alors que rappelons-le, c'est une salle des machines. There's nothing left. There's nothing left. Alors, aujourd'hui j'étais allé lancer pour chercher des réponses, j'ai pu pénétrer furtivement dans le bureau derrière et prendre ma carnet d'adresse avec quelques manuels utiles. Le professeur Taylor de la faculté d'histoire m'a été d'une aide précieuse et je suis parvenu à approcher le sujet des orbes. L'aspect le plus intéressant était la trace répandue qu'ils ont laissée dans notre culture, les orbes mythiques. En fait, pu avoir inspiré le Globus Crucigere que porte aujourd'hui un bon nombre d'inspirants. Which so many royals. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. KKK. Ah, il avait dit haut, ça doit indiquer 8, et bas, ça doit indiquer 8. Donc, est-ce que on serait pas un truc genre, il doit avoir. 1, 5, 6, 5, 2, 2, 3, 3, 5, 1,
2, 7, 4. C'est un signe morse. C'est quoi toutes ces merdes? C'est ça là? C'est du décor là? Là, il y a un connard là dans ma liste d'amis Steam qui n'arrête pas de lancer en boucle des jeux différents. Hein. À partir du moment où tu lances Rocket League. Allez, un petit monstre. Oh, déçu. Je vais me faire karma. Ah, ça c'est PlayStation, je reconnais. Mais du coup, attends, on a quoi là? Une pièce de machine fabriquée à partir de bois et de métal. Donc on a... Ah mais elles sont toutes en bonne qualité. Ah, c'est là où on doit les mettre. 14 July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter, as I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights, dreading a repeat of those. Je vais les voir en bas, parce qu'en fait, un screamer est mieux venu quand on s'y attend. En fait, il suffit de regarder quelque chose. S'il y a des placards pour se cacher, il va y avoir un monstre. S'il y en a pas, bah j'ai l'impression qu'on a pas, par contre. Quelques gouttes d'huile. Alors normalement ça devrait être bon. Quand il fait extrêmement sombre, il n'y a pas l'air d'avoir... Bon, en vrai je pense qu'il va y avoir un monstre, genre... Il n'y a pas un moindre endroit pour se cacher, mais c'est trop bizarre, genre... Il y a une couille quoi. Ah merde. Ah mais attends, mais on sait pas. Oh putain, on sait pas. Alors attends. Non, pas Memento. Note sur les machines. Notez qu'il a seulement deux titres disponibles. Non. Est-ce que le flux permet... Fonction de l'ensemble des 29 années. On va mettre toutes les tiges. Dans l'ordre là, au pif. Tiens, on va faire comme. Ah bah y a pas de jaune dans les manettes PlayStation, mais ça ressemble à triangle. Et bon, bah bleu dans mon chrome, on va faire ça comme ça. Très bien. Il a peur là. Il reste à l'ombre. Reste à l'ombre. Tu peux. Reste à l'ombre. Je sais plus c'est quoi les paroles. Putuchelin, il marche à l'ombre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lumière que je peux... Ah bah voilà. Très bien. Ça me fatigue, ça je le sens, je le sens. Mettre quoi? Ça là? Ça marche? Ça peut marcher ça?
Ah, il y a des roues dentées, d'accord, oula. Prends, viens. Oh putain, va falloir faire des trucs, mon pote. Bon, très bien, ça allume automatiquement déjà, bonne nouvelle. Une petite roue dentée? Une petite roue dentée? Une petite roue dentée? Trou denté. Et quelle heure? 1h30. À 2h j'arrête hein, parce que je vais m'occuper de ma petite famille. Je sais pas si tu vois. Parce qu'en fait je t'explique hein. Attends, déjà j'envoie un message en fait. Je t'explique, je suis un mec qui a une petite famille et tout, je dois m'en occuper. Oh, je me fais harceler par mes amis, mais putain, mais laissez-moi vivre ma vie solitaire en faisant des vidéos pour devenir youtubeur professionnel. Attends, je fais ma petite vie de youtube, de petite vie de famille. Ouais, je... Attends, mais... Sa mère, je suis moche. On va faire un truc noir comme d'hab hein, quand t'es moche, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un truc noir. Ouais, je donne des conseils en snapshotterie. Hein. Je donne des petits conseils en snapshotterie. J'envoie un petit Bob l'éponge. Hein. Quand tu sais pas envoyer, t'envoies Bob l'éponge. Voilà, voilà, hein, c'est un petit conseil, comme un petit conseil précieux que m'ont donné mes aïeux. Hein. J'avais vu une roue dentée. J'étais sûr d'avoir vu une roue dentée. Dentée, hein. Je sais pas si j'ai déjà fait... Je sais même pas si j'ai fait la blague. Non, je crois pas. J'allais dire roue dentée, le personnage dans Devil May Cry. J'ai dû faire la blague, mais je m'en suis pas rendu compte. Petite roue dentée, petite roue dentée, petite roue dentée. Alors par contre elles étaient littéralement identiques, mais par contre elles rentrent pas toutes dans le même rayon. What the fuck. Celles-là elles sont identiques. Oui, elles le sont. Du coup moi je peux passer à côté de ça, ils sont tous morts, leurs membres et papillés, leur tête tranchée, leur peau écorchée comme s'ils avaient été bouillis. J'ai l'impression que je perds le contrôle. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur William Smith, le professeur Taylor hein, et maintenant le docteur Taylor? Est-ce que je suis... Le contact c'est un problème, c'est cette chose maudite que j'ai ramené d'Afrique. Bah, de toute façon, tout ce que tu ramènes d'Afrique est hanté. Je ne peux faire confiance au baron, il voudrait mieux qu'il sache ce qu'il réclame. S'il a tort, je pense qu'il le regrettera aussi. Je crois que mes propos racistes vont être pris très au sérieux et je pense que je vais me faire littéralement clutcher la tête par mon lycée qui va me faire attends. T'as dit quoi? Ils vont faire ce ne sont pas les valeurs qu'on nous t'avons enseignées. Hop, tu dégages et hop, je me retrouve à la rue. Je fais la tapin pour gagner ma vie, mais heureusement, je me rends compte que youtubeur professionnel gagne bien mieux. Par contre, les mécanismes ont besoin d'être plus travaillés, genre c'est... Je pense que c'est l'ordre des bâtons. Ah mais c'est quoi l'ordre des bâtons? Attends, on va analyser ça de manière intelligente. Vapeur, ça me fait penser à quelque chose de rond. Voilà. Ah mais je suis con, attends. Tétra c'est quoi? C'est 4 ou c'est 3? Tétra. Tétrapiopède.
4. Donc tétraphasé, c'est là. Et écoulement. Si tu veux. On va voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur jv.com, pas pour dire donc ça doit être inversé lui. Merde, j'ai mis quoi? Écoulement, voilà. Oh là là, je suis trop fort. Ça n'avait aucun sens. Bon, tétraphasé peut-être, mais écoulement et vapeur. Attends, ternaire. Tétra, bah non, terre, tétra et terre. Ternaire, c'est, ça veut pas dire 3. Tétraphasé, je veux bien que ça veut dire 4, mais ternaire. What the fuck, nigger? Par contre, du coup, est-ce que ce serait pas ça? Je mets quoi dans le brûleur? Y'a du charbon là, mais oh putain, non mais sérieux, mais... J'en mets plusieurs parce que je trouve ça amusant. Je crois qu'il faut en mettre plusieurs. Je suis un gamin, je vais le faire, je m'en bats les couilles. Je veux qu'il soit rempli au max. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Oh. Allez, 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 allez. Mais c'est quoi cette merde? Non. Pourquoi faut tourner des manivelles? Comment ça le... Oh ta gueule. Oh putain. Alors 8 en haut, 8 en bas. Là on va mettre 3 là. Attends, y'a pas moyen d'allumer cette chasse. 3 là, 3 plus 3, 6. On va mettre 5 en bas. 3 plus 5, 8. Ah mais on est déjà à 8 en fait là. Donc ça doit pas être ça. Est-ce que du coup genre on s'en battrait pas les couilles, on peut en mettre au milieu? Est-ce que ce serait vraiment ça? 5. Ah merde non. Ouh, c'est fort de tous les utiliser. Attends, on va baisser ça. On va mettre 5, on va mettre 3 là, 1 là, 3 plus 4, 7, 8, 1, 6, 2. Pff, sérieux? Bon, des fils de pute. Ça faisait des vagues. Parcours. Je suis
sûr, ça c'est en spinote. En vrai, y a d'autres jeux faits par eux, il y a Soma, mais qui est trop récent et coûte 1 milliard d'euros. Il y a quoi d'autre? Il y a... Avant d'actionner ça, parce que je sais qu'il y a un monstre qui est arrivé, je suis presque sûr. Il y a quoi? Il y a Penumbra, les Penumbra, le jeu qu'avait Speedrun Link. C'est par les mêmes mecs, et c'est plus vieux, plus moche, j'aime. En plus, il y en a 3, il y a Penumbra Ouverture, Black Plague et un autre. C'est du troll. The fuck? J'ai pas compté. Qu'est-ce qu'il nous a dit l'autre singe? Oh 8 et bas 8, ça vaut que le flux permettant en fonction du tableau suivant. Je suis calme maintenant. J'ai encore un léger mal de tête, what the fuck. Bon après j'ai vu un mec bizarre marcher avec la mâchoire arrachée. Mais du coup 1 plus 6 plus 2, 7, 8. Voilà. 3 plus 1, 4 et 4 plus 4, 8. Connard va. Oh putain. C'est trop là, on s'emmerde là. On s'emmerde. Si j'inverse. On va inverser. Hein. De toute façon, on a rien d'autre à faire. Du coup, ça fait quoi? 3, 5, 8, 2, 10. 2, 5, 6, 7, 7 plus 5, 12. Donc 10 et 12. Si ça marche. Speedrun! Alors on va utiliser la dernière solution de notre cerveau, internet. Non, parce que là c'est trop. Là je n'accepterai cette humiliation. Salle des machines. Machine for pigs. Machine for pigs. Amnesia Dark Descent. Oh, what the fuck, mais en fait, je suis trop con ou c'est moi? Attends. Est-ce que vraiment je me suis trompé dans un calcul 5? Est-ce que vraiment je me suis trompé sur un calcul simple? Est-ce que vraiment je mérite de vivre à la rue? Non, ce serait abusé. Si c'est vraiment ça, c'est abusé. Attends, on va laisser comme ça. On est d'accord que 1 plus 6. 7 8 9, je suis une merde. Oh, je suis une merde sans nom. Et en haut ça donnait 3 plus 1 4. Bah ouais, en fait, je suis une merde sans nom. Je suis un gros caca. Donc ça c'est en haut. Ça c'est au milieu. Ça c'est en bas. Ça c'est en haut.
c'est en bas. Ça c'est en haut. Je suis une merde sans. Oh là là, mais j'en ai marre, mais je suis une merde. Pff, là vraiment, mais. T'as regardé la vidéo là, ça fait combien? Ça te fait 20 minutes que je suis là-dedans là. Et je suis horriblement con. Putain, j'ai 11. Wouh! Oh! Oui! Ah merde! Ah merde, non, c'est pas là. Ah mais non mais voilà mais pardon. Aïe. Je descends l'ascenseur et on arrête la vidéo. Étonnant. Ah non, d'accord, ça va. Ça va encore. Je crois que sentez-moi. Ah bah d'accord. Attends, du coup, est-ce que je peux descendre des portes ouvertes? Ah d'accord. Bah ok, elle se ferme toute seule. Yo les trashers, je descends. Je descends, regarde la gueule du truc et j'arrête la vidéo parce que j'en peux plus. 47, ça suffira amplement. Ça se trouve, la vidéo est ruinée. Elle ne marchera pas. Si vous entendez ça, c'est qu'elle ne l'est pas normalement. À moins que j'en ai rien à foutre et que je l'ai quand même plus. Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi? Arrêtez tout! Je crois que c'était un script mais que j'ai pas fait exprès au moment où j'ai... Non, non, c'est vraiment trop drôle. J'ai cru que c'était moi qui avais fait la connerie. Ah ok, l'orbe c'est un espèce de d'univers parallèle style Stranger Things, tu vois. Et en gros, bah vu que je l'ai déplacé, bah il rattrape l'orbe qu'elle doit être quelque part là. Parce que je pense que c'est le truc que j'avais vu et que du coup vous avez pas vu. Une espèce de couille bleue, dans, comme dans la description du truc quoi. Alors on ouvre la porte. Come this way. Come this way. Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked non. up. Non, je suis trop con. Je pensais que c'était un meuble. Very much so. Je n'ai pas utilisé de la magie. C'est ça, faut les déplacer. Je crois qu'il va falloir utiliser des. Voilà. En gros, ça c'est compliqué à déplacer. Et voilà. Ah bah du coup tu dis ça. C'est complètement con. C'est pas parce que tu prends une pierre que soudainement t'as une force surhumaine. Oh 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 oh! Foot de rue! Tin 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 tin. Bah putain, elle est solide là. Tin 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 tin. Tin tin tin. Putain, j'ai peur. Bah je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Hein. Oui, on va arrêter la vidéo là, parce que ça fait beaucoup trop peur et qu'il est l'heure de se coucher. Quelle heure il est là? Réfléchis un peu là, tu te rends pas compte quelle heure il est? Il est déjà 3h du mat, 3h30, il faut que tu ailles te coucher. C'est faux, je pense que tu regardes cette vidéo, il est 5h. Il est l'heure d'aller se coucher.
car demain, n'oublie pas, c'est bientôt le bac, il faut réviser à donf. Donc, même si c'est pas le bac, je sais pas, va te branler, va te coucher. Voilà, dis-toi, c'est comme ça que ça marche la vie. Regarde, il fait beau, t'as des gens à qui parler, qu'ils soient du sexe masculin ou féminin, encore plus important si c'est du sexe féminin, parce que toi, tu peux en faire ta vie avec cette personne. Je parle en général, je parle pas forcément à SB, en général. Pense à ça, pense à toi, je te souhaite une bonne vie, et bonne nuit mon bro. C'est la fin. Au revoir.